Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure où vous attendez moi. Le mois de mai est un mois de l'église adventiste du 7e jour en Haïti. Le 13 mai 1860, fut fondée la première église sabbatisme légalement à Parkville, aux États-Unis. Le 13 mai 1860, première église l'a fondée à Parkville, aux États-Unis. Parkville, c'était un groupe qui était fait, et puis à partir de là, ils ont commencé à organiser. Et le 13 mai 1860, ils ont organisé à Parkville. Et le 3 mai 1861, la maison d'édition qui était Reviews, qui était La Vérité Présente en certain temps, on prend La Vérité Présente, Reviews, il y a différentes entités, et puis on va le faire en seule entité, et c'est la maison d'édition de l'Église Adventiste du 7e jour, le 3 mai 1861, les mêmes sous la législation de l'État de Michigan, libéral fondé. Maison d'édition ou nous gagne reviews yo ça ou ka fait non pas oublier la publication son celle dans même œuvre là. OK, c'est 3 mai 1861. OK, maison d'édition ça yo pral faire en seul La Vérité Présente, Reviews et surtout avec J. John N. Andrews qui pral écrit en pile en tant que éditeur yo, Uriah Smith, tout grand monsieur ça ou les grands fondateurs, tout monsieur ça ou pral. Et du 20 au 23 mai 1863, on prend trois dates importantes dans le mois de mai. On prend 13 mai 60, ok? On dit première église sabbatiste là, légalement on va le fonder, ok? Dans Parkville aux États-Unis, ok? Et deuxième date là, on prend c'est 3 mai 61, retenez cette date. Ça veut dire dans le mois de mai, là, je dis à 4 mai 2022, depuis ma parole avant, 3 mai 61, la maison d'édition, ou encore, ça nous gagne une journée, je dis à, qui va le dévier, le boyade pas, reviews, tout ça, on va le sortir là-dedans pour montrer la publication. C'est mon seul invité pour le sortir et la maison d'édition qui va le fonder sous la législation de l'État Michigan. Et le. Du 20 au 23 mai, du 20 au 23 mai 1863, je reprends, du 20 au 23 mai 1863, pour aller gagner première conférence générale. Ok? Première conférence générale. Et pas oublier, année qui pourrait être importante pour nous, si nous traversons l'histoire, 1850 privé jusqu'à 1863, sont années très développement dans l'église. Ou encore, du 20 au 23 mai 1863, du 20 au 23 1863, c'est une date qui est extrêmement importante. Et date ça, c'est date création de la première conférence générale. Et dans la conférence générale, ça, pour avoir un élément qui est extrêmement important qui pourrait sortir. Et l'histoire pour avoir une raison, les pourrait parler de gestion déloyale. Et élément important ça pourrait sortir, les pourrait sortir avec James White. Dans la première conférence générale, là, et dans la deuxième partie, Max Piccoli. Le mois de mai est un mois important, ok, pour l'église adventiste du 7e jour, ok. 13 mai, 3 mai, du 20 au 23 mai, trois grands événements passés dans le mois de mai. Et pas oublier, pendant la fête centenaire de l'église adventiste du 7e jour et centenaire de la division interaméricaine, centenaire de la division interaméricaine, le mois de mai est extrêmement important. Et ma parole à voir, dans 4 mai, journée aujourd'hui à la, à partir de 1h20, ok, ma parole à voir là. Dans l'après-midi, nous devons comprendre et ne pas voulu passer moment ça, surtout hier 3 mai 1861 qui était fondé la maison d'édition, ok, la maison d'édition de l'Église Adventiste qui était fondée sous la législation de l'État Michigan et ne pas voulu quitter moment passé pour battre tout ça. Merci beaucoup. Le mois de mai est un mois important dans l'Église Adventiste. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, vous verra-t-il de la foi? Merci.